Yo tout le monde, c'est Daniel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur un VPN payant, mais pas trop cher non plus. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, là, profiter de 5 ans de liberté totale sur Internet. Je vais là du coup un lien dans la description, un lien de parrainage, d'affiliation, je veux dire. Donc, voilà, passez dessus, ça vous coûte absolument rien. Et puis, moi, j'aurai droit à quelques pourcentages de commission, donc c'est pas grand chose, mais bon, ces commissions là ça va me servir à acheter de nouveaux matériels pour tes déballages, du nouveau matos pour améliorer la qualité de mes vidéos, de nouveaux logiciels, de nouvelles solutions et ainsi de suite, et me faire aussi un peu plus connaître et puis d'avoir un peu plus de possibilités de vous faire des concours pour gagner des licences ou gagner des réductions ou des choses du style. Donc voilà, bon là malheureusement j'ai mis en traduction grâce à Google Traduction, on peut pas le mettre en français avec le lieu ici, c'est dommage, ça doit être un bug. Donc après rien de bien ouf. Donc après le best-seller, là comme il le dit, c'est 2 ans, on économise 77%, donc 239 dollars, c'est égal à 2,25 dollars par mois. Ce qui n'est pas si énorme par mois, hein, donc je sais pas combien que ça fait. Je sais pas, je vais regarder ça. Enfin bref, voilà. Donc si jamais vous avez beaucoup, regardez vous-même. Dollars en euros. Hop, 2 petites minutes, je fais le calcul pour vous, pour ceux qui ne veulent pas quitter du coup l'écran. Ça fait 2,01 € par mois. Donc voilà, c'est pas énorme. Après, pour un an, on peut l'avoir pour 3,33 € par mois, ce qui est assez correct aussi. Les plans ont une offre de durée limitée et un gros rabais de ce jour. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que là, des promotions, de belles promotions, on va dire, à ce niveau-là. Donc voilà pour le site, les serveurs Evency à travers le monde, 80 dans l'Europe, Amérique du Nord 70, enfin voilà, ils ont vraiment pas mal de serveurs en Asie, en Australie, en Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Garantie de remboursement de 30 jours, Android, donc il est compatible sur Android, iOS, sur Windows, sur Kodi, sur Mac, sur les extensions Google Chrome et sur des routeurs, donc voilà, ils sont sur énormément de choses. Donc ça c'est assez sympathique. Moi je l'ai sur mon Mac, j'ai mis sur mon iPhone et puis j'ai pas encore mis sur la Windows parce que je n'ai pas spécialement besoin sur Windows. Donc voilà un petit peu pour le site, ça reste du classique, là pas grand chose à dire. C'est tout en une page et puis voilà. Donc après l'application, la voici. Donc on peut sélectionner par country ou par city, donc par ville, enfin, par pays du moins. Donc voilà, on a l'Australie, hop, la Belgique, le Brésil, Canada, Danemark, Finlande, la France, l'Allemagne, Hong Kong, l'Italie, la Corée, Luxembourg, le Mexique. Donc voilà, là, vraiment pas mal de pays, la Turquie. Et Londres et tout ça, et toute la clique. Après, nous avons les villes comme ici, Sao Paulo, Sydney, Vancouver, Moscou, Barcelone, Tokyo. Donc, voilà vraiment pas mal de villes. Donc, généralement, c'est les grandes villes comme l'on peut voir la France, Paris. Je crois que c'est les capitales pour la plupart des trucs, à part là pour l'Allemagne. Ouais, pour la plupart des trucs, c'est la capitale. Après, voilà. Donc, après, on peut se connecter dessus. Donc, on va prendre par exemple le sud de la France. Hop. Hop, il se connecte, il va chercher le serveur et l'IP changera. Alors, aimerait ajouter des configurations VPN autorisées. Voilà. Donc voilà, nous avons du coup notre localisation en France parce que j'ai pris Paris. Ma connexion time ici et puis sur Mac, il est aussi là-haut parce que j'ai voulu qu'il se mette là. Donc voilà, did it work? Je sais pas ce que ça. C'est pas si ouf que ça. Après, nous avons du coup Secure Download, Streaming Blocking, donc on va revenir après. Là, donc My Account, là, mes données personnelles, donc ça vous regarde pas, et là, Setting, c'est quelques petits réglages basiques. Donc, du coup, on va désactiver le VPN pour aller voir le Secure Download. Donc voilà, c'est pour télécharger, c'est vraiment sécurisé.
téléchargement sécurisé, le streaming, donc là ça peut être pas mal pour Netflix US ou HBO. Donc voilà, pour le par exemple Netflix, ils ont un catalogue avec énormément de films et de séries en plus qu'en France. Donc par exemple, c'est un exemple, là je sais pas les chiffres exacts, eux ils ont 8000 et nous en France on a 5000, donc voilà, là quand même une sacrée petite différence entre les deux quoi. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien encore regarder des films en anglais, sous-titrés en français ou même directement en anglais. Donc voilà. Hop, France Télévisions, Arte, enfin voilà, là, vraiment pas mal au final de chaînes pour du streaming. Bon, plus ou moins connues certaines, mais ça reste assez sympathique. Le unblocking, alors ça, c'est très bonne question. Très 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 bonne question. On va prendre Belgique. À mon avis, c'est juste un petit raccourci de l'autre, ça doit revenir aux mêmes choses, donc c'est pas si ouf que ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce VPN. Utilisez le lien dans la description pour vous prendre un abonnement, donc voilà, c'est pas si cher. Et moi je trouve que le débit, enfin du moins à l'époque, au moment où moi je fais la vidéo, je trouve que les débits sur certains serveurs, donc certains pays, sont assez corrects. Après, voilà, ça reste un VPN, hein, faut se dire et faut se le rentrer dans la tête. Donc les connexions seront un peu moins meilleures que notre connexion de notre FAI classique sans passer par un VPN. Donc voilà, mais bon, ça peut toujours vous protéger, cacher votre IP. Et puis voilà, pour si vous êtes sur du TeamSpeak, vous cachez votre IP grâce à ça, si le serveur n'est pas fait pour vous cacher votre IP. Ou pour vous connecter sur le Netflix américain au lieu du Netflix français, voilà, ça peut être sympathique à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis ciao, ciao les amis, et à plus!